huitième journée de Pro D2 et Carcassonne qui recevait Aurillac. Carcassonne, dixième, seulement 2 points d'avance sur la zone rouge avant la rencontre. Une invincibilité à domicile à défendre. Aurillac, co-leader de Pro D2 à égalité de points avec Agen, miné par les blessures mais qui venait avec l'espoir de faire un coup dans l'Aude. La rencontre qui démarre de manière assez classique pour Aurillac. Les Cantaliens qui mettent la main sur le ballon obtiennent la première pénalité transformée par Antoine Renault. 3-0 pour Aurillac. Adrien Latorre qui va tenter de répondre et qui trouve le poteau. Partie remise pour le domaine d'ouverture de Carcassonne. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont les Avants qui prennent le jeu à leur compte. Urzach qui hérite du ballon dans sa moitié de terrain, déboulé tout en puissance du pilier gauche qui passe par le sol. Le jeu peut rebondir rapidement. Bissuel lui aussi passe par le sol. Le capitaine qui libère. On joue dans le sens. Grammatico qui attaque la ligne. Les impacts sont tout à l'avantage de Carcassonne en ce début de match. Lazzarotto qui déborde. Un contre un magnifique. Retour intérieur sur Antoine Renault. Et essai de Benoît Lazzarotto. Le premier essai magnifique de Carcassonne qui est parti de ses 40 mètres. Adrien Latorre règle la mire sur la transformation. Carcassonne mène 7-3. Un premier essai qui a le don de libérer les Audois. Carcassonne qui fait feu de tout bois dans ce premier acte. Bissuel passe après contact. Grammatico va au sol. Libération rapide. Latorre passe sauter pour Tom Matthews qui résiste au dernier plaquage et qui aplatit le deuxième essai de la rencontre. Les Audois qui sont intenables dans ce premier acte du jeu de partout. Latorre qui transforme en point. Carcassonne prend le large. 14-3. Aurillac va réagir en grande équipe. L'action est partie dès 22 mètres. Aurillacois, Antoine Renault pour Fajorski. Les passes après contact. Les passes surtout dans le bon tempo. À une main, retour intérieur. La troisième ligne au relais. Et Marius Vialet qui prend la cuillère, qui se relève et qui résiste à Domo Lailai. Le flanqueur qui aplatit le premier essai d'Aurillac. Les Cantalous qui reviennent enfin dans la rencontre. 14-10 après la transformation. C'est néanmoins Carcassonne qui va avoir le dernier mot dans ce premier acte. Pénalité pour Adrien Latorre, juste sur la sirène. Ça passe pour le demi d'ouverture. Carcassonne qui mène 17-10 au moment d'attaquer un deuxième acte qui va être quasiment à sens unique pour les Audois. On recommence comme ça avait fini juste avant la mi-temps. Latorre qui passe une pénalité pour porter le score à 20-10. Antoine Renault qui va répondre avec ce coup de pied. 20-13, ce seront les derniers points d'Aurillac. La dernière demi-heure de jeu qui va être tout à l'avantage de Carcassonne. Nouvelle pénalité pour Adrien Latorre. 26-13. Et début du festival de l'USC avec des essais de partout. 73e minute. Carcassonne a fait le trou, 33-13. On retrouve les Avants dans les 10 derniers mètres. Sauveterre qui ramasse, François Tissot qui pousse derrière. Et l'ancien Montpelliérain qui va aplatir le quatrième essai pour Carcassonne. L'essai du bonus offensif à ce moment du match. Latorre qui transforme. Ça fait 40-13 pour Carcassonne. C'est une gifle pour Aurillac. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous, la dernière action de la rencontre. Et Tissot qui ramasse et qui aplatit le dernier essai. Monsieur Boyer va consulter son juge d'en but pour finalement accorder cet essai après la sirène. Le cinquième essai pour Carcassonne qui s'impose 47-13 contre le co-leader de Pro D2. Une victoire qui fait du bien à l'USC. Bonus offensif à la clé. Aurillac qui repart avec les valises pleines et 100 points d'Albert Domecq.